À la jonction de l'Europe et de l'Asie, la Fédération des Émirats Arabes Unis occupe une position clé au sud-est de la péninsule arabique et à l'entrée du golfe arabo-persique. La fédération regroupe 7 émirats dans une région où les premières traces humaines apparaissent 5500 ans avant notre ère. En majorité nomades, les populations se fixèrent petit à petit sur leurs terres. Après des siècles de vie en symbiose avec le désert, les hommes réussirent le fantastique pari de lui échapper et d'en faire surgir des villes entières. En quelques décennies, le pays a pris un envol spectaculaire porté par les technologies modernes et soutenu par des traditions immuables. Un destin façonné par un homme, le cheikh Zayed, émir d'Abu Dhabi et fondateur d'un État créé en 1971. Il fallut apprivoiser un désert qui couvre plus des deux tiers du territoire et qui résiste aux avancées de l'homme. Le climat chaud et sec imprime sa marque aux espèces végétales, ce qui n'empêche pas de nombreux oiseaux de s'arrêter sur la route de leur migration. La population des Émirats se rapproche des 3,5 millions d'habitants. Ils forment une société composite où fusionnent les influences occidentales et moyen-orientales. Une réglementation fédérale stricte favorise l'immigration contrôlée. Les immigrés constituent un fort contingent en partie originaire du sud-est asiatique. L'immigration, vitale pour l'économie du pays, a comme conséquence de rendre les autochtones minoritaires. Dans ces conditions, les traditions locales sont entretenues et sont défendues comme un véritable patrimoine. Cela ne veut pas dire pour autant que le pays se ferme frileusement aux coutumes en provenance d'autres cultures. Dans les Émirats, la religion musulmane imprègne la société tout entière et la prière ponctue la journée. Mais l'islam se pratique ici dans une version beaucoup plus libérale que chez certains voisins. Près de 100% des filles sont scolarisées. C'est le taux le plus fort des pays arabes et c'est aussi le gage d'un authentique statut pour la femme. Connues depuis la préhistoire, les perles, comme le commerce, ont assuré les premiers revenus des Émirats et la pêche a longtemps assuré la base de l'alimentation pour les habitants des côtes. À la fin des années 1950, les rêves les plus fous sont devenus possibles avec l'exploitation de formidables gisements pétrolifères. À eux seuls, les Émirats détiennent 10% du pétrole de la planète. Plutôt que de vivre sur ses réserves, le pays a investi ses bénéfices à travers des chantiers ambitieux, comme la construction d'édifices religieux, l'amélioration du niveau de vie ou la solidarité internationale. Le traitement de l'eau de mer a permis de garder le désert à distance et parfois de lui reprendre des parcelles de terrain. L'or noir a élargi la palette des couleurs et on peut même désormais choisir celle des palmiers. Mais les ressources pétrolières ne sont pas éternelles. C'est pourquoi le pays diversifie son économie en aménageant des zones franches à la fiscalité attractive, en favorisant le développement des hautes technologies et en intensifiant les échanges grâce à des infrastructures performantes. Sur un espace largement ouvert, sans contraintes techniques particulières et avec des budgets souvent très confortables, les architectes contemporains trouvent aux Émirats un vaste champ d'expression. La proximité de la mer aiguise encore leur inspiration et courbe davantage les lignes de leur réflexion. Les architectes les plus en vue et les styles les plus éclectiques s'associent aux Émirats de belle manière. Dans le domaine architectural comme ailleurs, les connexions se multiplient. La globalisation de l'économie nationale se mesure chaque jour à la hauteur de son ouverture au monde. Capitale des Émirats Arabes Unis, la ville d'Abu Dhabi porte le même nom que le plus riche des Émirats. Un Émirat qui vaut de l'or, puisqu'il fournit à lui seul 60% du produit national brut.
La richesse d'Abu Dhabi, qui concentre 90% des réserves nationales de pétrole, a permis la création d'une ville dont les lignes verticales rappellent celles de Manhattan. La cité est construite sur une île étroite dont la longueur n'excède pas 15 km. L'émirat rassemble 40% de la population nationale et les architectes ont élevé leur réalisation pour répondre au développement de la capitale. Grâce au mariage harmonieux des couleurs et des formes, des matériaux et des conceptions, Abu Dhabi reflète dans son architecture la dynamique d'une ville en mouvement constant. Mais les options futuristes de l'urbanisme prennent toujours en compte les édifices religieux et les références aux valeurs traditionnelles. La famille confirme également le mariage réussi des traditions et du progrès. La femme n'est en rien coupée du monde et ses contacts avec l'Occident sont permanents. La place de la femme est officiellement reconnue, même dans les lieux publics, notamment grâce à l'action d'associations féminines qui luttent pour que chacune reçoive une formation. L'accès des femmes à l'éducation et à l'emploi est une des priorités de l'association qui initie les femmes de tous âges au métier de l'artisanat et pour laquelle travaille Alia Kershi Chishti. Aujourd'hui, dans les Émirats, les femmes sont diplômées en moyenne 5 fois plus que les hommes et elles en sont fières. Et non seulement elles ont des diplômes, mais elles travaillent dans des domaines aussi variés que les affaires, la médecine, l'éducation ou même les médias. Dans les zones rurales notamment, les associations féminines obtiennent des résultats remarquables. Ainsi, chez les femmes de plus de 45 ans, l'analphabétisme a chuté de 70%. Certaines femmes bédouines portent encore le burqa, un masque traditionnel dont certains modèles sont en or pour les grandes occasions. Le burqa n'empêche pas de répondre au téléphone. Les communications ont élargi l'horizon d'Abu Dhabi. Et les malls, ces centres commerciaux importés en droite ligne des États-Unis, ont radicalement changé les mœurs des anciens nomades. La tenue vestimentaire des hommes, conçue pour protéger du soleil et du sable, s'avère bien inutile ici. Au-delà des échanges commerciaux, les malls donnent aux chalands l'occasion de franchir les latitudes et de découvrir d'autres milieux de vie. Même si les pingouins semblent un peu figés, les petits émiratis n'en croient pas leurs yeux. De manière certes un peu artificielle, le contact avec d'autres cultures favorise la connaissance, la compréhension et la tolérance. Une démarche bien plus subtile qu'il n'y paraît et qui s'éclaire encore pendant les fêtes de fin d'année. À proximité immédiate de la mosquée Sheikh Mohammed, la religion chrétienne peut vivre et célébrer les grandes heures de son calendrier liturgique. La nuit de Noël, pour la messe de minuit, l'église Saint-Joseph est comble. Une large population d'expatriés fête la nativité sous le ciel à 5 étoiles des grands hôtels de la ville. Les cultures cohabitent dans le même esprit d'ouverture sur la plage de la péninsule Ras Al Akhdar. Les occidentales côtoient la population locale sans craindre de heurter les susceptibilités. Le vendredi, jour de prière et de repos en terre d'islam, les familles se retrouvent pour pique-niquer le long de la corniche. Des conditions idéales pour favoriser le développement du tourisme, un secteur sur lequel le pays mise beaucoup. Au ministère de l'Information, M. Ibrahim Al-Abed est conseiller. Pour notre économie, nous avons développé ces dernières années une infrastructure qui est superbe et qui attire les touristes. Que ce soit en termes de shopping ou d'infrastructure, nous avons énormément de projets, et notamment un hôtel sous-marin et des parcs d'attractions à Dubaï, à Al Ain et aussi à Abu Dhabi. Les investissements susceptibles d'attirer les visiteurs sont de tous ordres. Ainsi, le pays organise un nombre croissant de compétitions sportives internationales qui focalisent l'attention des médias.
À proximité du désert, le jet ski acrobatique rafraîchit les idées. Les pilotes sont aussi imaginatifs pour plonger que pour avancer. La mer offre des ressources illimitées, mais on peut se demander comment Abu Dhabi possède autant d'eau douce dans une région où il ne tombe pas une seule goutte de pluie pendant 6 mois de l'année. En fait, l'eau d'Abu Dhabi provient de sources diverses. Au département des ressources en eau, Mike Brook est directeur. Nous avons 3 principales sources d'approvisionnement en eau, chacune pour une utilisation différente. La principale est l'eau du sous-sol, qui représente 81% de la consommation. La deuxième est l'eau désalinisée. Abu Dhabi est un des leaders mondiaux en technique de désalinisation. Cette eau venue de la mer couvre 15% des besoins du pays. Et les derniers 4% proviennent du recyclage des eaux usées, principalement à l'usage de l'irrigation des parcs, des jardins, des cours de golf, etc. Rien que sur le territoire d'Abu Dhabi, on dénombre 5 terrains de golf. Une réelle performance que l'entretien de ces greens, dont la couleur verte irlandaise, nargue le désert. Les petits échassiers de passage inspectent le gazon sous le regard d'un faucon géant, prêt à prendre son envol. À 170 km à l'ouest d'Abu Dhabi, la mer, sur 9 km, sépare le continent de l'île Sir Baniyas, propriété personnelle du cheikh Zayed, qui l'a transformée en une exploitation agricole de pointe. Grâce à un réseau d'adduction extrêmement sophistiqué, l'eau est distribuée à des milliers d'arbres fruitiers dont le tronc est enduit de chaux pour contrer les agressions des insectes. Les orangers prospèrent sur cette terre qui lutte en permanence contre le désert. Avec l'oryx d'Arabie, différentes espèces animales peuplent une réserve naturelle créée pour abriter et préserver des animaux présents aux Émirats, au Moyen-Orient et même en Afrique. Les gazelles étaient jadis nombreuses dans la région. D'ailleurs, le nom Abu Dhabi signifie « père de la gazelle ». Même si elles tentent de rester discrètes, quelques autres résidentes ont du mal à passer inaperçues. L'île est aussi une escale appréciée par les oiseaux, comme les flamants roses, qui viennent y passer l'hiver. Sur le continent, l'intérêt du cheikh Zayed pour l'environnement se vérifie. Il a implanté au milieu du désert une ferme modèle, dont le responsable est ingénieur agronome, Mushtaq Ahmed. Normalement, on cultive des légumes pour la consommation de la famille royale et aussi pour les gens qui habitent ici. Notre but est d'utiliser un minimum d'engrais chimiques. On se concentre sur les engrais naturels et sur la production agricole biologique. La méthode semble payante car en les protégeant un peu, les tomates sont de belle taille et les figues prennent vite la couleur de leur maturité. Même les oisillons grandissent plus vite et certains fruits se voient de loin la nuit. En direction du sud, l'immense désert Rub al-Khali couvre la partie méridionale de la péninsule arabique. Rares sont les êtres vivants à se risquer dans ce désert. Le renard du désert, lui, est sur son territoire. Et lorsque survient un intrus venu d'ailleurs, il sait comment disparaître.
Alors que la frontière de l'Arabie Saoudite se rapproche et que le désert ne lâche pas prise, l'oasis de Liwa apparaît comme une délivrance. L'oasis regroupe une vingtaine de localités reliées entre elles par une authentique autoroute. L'oasis de Liwa est une des plus étendues de toute la péninsule arabique. Les ancêtres de la famille Al-Nahyan, dont est issu le cheikh Zayed, y ont résidé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ils quittèrent alors cette région inhospitalière pour rejoindre Abu Dhabi. Beaucoup plus à l'est, près du sultanat d'Oman, la famille Al-Nahyan contrôlait une autre oasis, Al Ayn, dominée par les rochers calcaires du Djebel Afit. L'oasis est peuplée depuis des millénaires, comme l'atteste la sépulture de Ili, dont la conception remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. Une vingtaine de forteresses protégeaient l'itinéraire qui reliait Oman au Golfe. Le parcours était fréquenté par les marchands de perles, objet de toutes les convoitises. Avec ses palmeraies, l'oasis d'Al Ayn héberge la deuxième ville de l'émirat d'Abu Dhabi, à 150 km de la capitale. La ville natale du chef de l'État est appréciée pour sa fraîcheur relative. De nombreux habitants de la côte s'y retrouvent pendant l'été pour fuir, à toutes jambes, la chaleur et l'humidité du littoral. La cité se donne de grands airs, mais elle n'a pas perdu son caractère rural. Al Ayn est aussi connu pour son marché au chameau, ou plutôt au dromadaire. L'animal peut être docile, mais il a son petit caractère. Si le dromadaire peut se priver de boire, il doit manger. Au marché, avant d'acheter, on vérifie la marchandise. Pour les informations comme pour les négociations, le téléphone portable a remplacé le téléphone arabe. Mais les paiements ne se font pas encore par Internet. Les femelles ont en moyenne un petit tous les deux ans. Le vétérinaire prodigue les soins sur place. Aux grands chameaux, les grands remèdes. Même si le patient n'est pas content. Le problème, c'est la patte. Il faudra un peu de patience pour reprendre du service. La ville d'Al Ayn rend hommage à un autre animal emblématique des Émirats, le faucon, un rapace dressé pour la chasse. Les faucons, aveuglés par un chaperon, séjournent une bonne partie de l'année chez le fauconnier, car ils ne supportent pas la chaleur. Certains viennent de pays du Nord et ont été capturés pendant leur migration. D'autres proviennent d'élevage. Le faucon reste immobile jusqu'au moment où son maître le pose sur le wakar, une sorte de perchoir fiché dans le sable. Avant l'exercice, on prive les faucons de nourriture et de sommeil pour les rendre dépendants. Tant que le faucon, qui est un rapace diurne, porte son chaperon, il reste parfaitement insensible au monde extérieur. Les hautes technologies sont là pour sécuriser le propriétaire, car le faucon peut valoir une fortune. Une télécommande ? Non. Son maître lui installe un radio-émetteur dans la queue. S'il s'éloigne trop, on le retrouve grâce aux signaux transmis par l'antenne. On excite le rapace grâce à un leurre, un oiseau mort que son maître fait tournoyer. Il s'agit d'un entraînement, car le faucon attrape ses proies en vol. C'est d'ailleurs pourquoi il entre dans la catégorie des oiseaux dits de haut vol. Après l'effort, le faucon est récompensé avec de la viande fraîche.
il se nourrit exclusivement de chair d'oiseau. Le faucon est doté de qualités exceptionnelles. Il possède par exemple une remarquable acuité visuelle. La proie a peu de chances de s'échapper, car le faucon est capable d'atteindre 300 km à l'heure en piqué. L'envol du faucon est pour elle généralement fatal. Comme tous les bolides, le faucon n'est pas à l'abri d'une défaillance. Aussi, les malades ou les blessés sont accueillis dans une clinique spécialisée. Chaque rapace possède son propre passeport et une puce électronique complète l'identification. Toutes les données le concernant sont informatisées. Pour faciliter l'examen, le docteur Margit Müller anesthésie l'animal. Ensuite, on procède à des prélèvements afin de les analyser pour un bilan de santé complet. Le faucon est souvent victime de son alimentation, il mange ses proies, et de sa technique de chasse, qui peut être à l'origine de fractures. En effet, à très grande vitesse, il percute sa cible avec l'avant du corps. Il n'est pas rare qu'une aile ou une patte se brise lors de l'impact. L'examen endoscopique avec caméra miniature se justifie en cas de problème du système digestif. Problème fréquent, car s'il repère ses proies de loin, le faucon les dévore sans y regarder de trop près. Et voilà, l'opération est terminée. On est impatient de regagner sa chambre, mais tout doit se faire dans l'ordre. Il y a des infirmiers prévus pour cela. C'est d'ailleurs presque la routine, car à l'hôpital, on rencontre souvent les mêmes cas. Bien sûr, on trouve beaucoup des accidents de la chasse, c'est-à-dire quand le faucon chasse la proie, surtout souvent des plumes se cassent. Pour les plumes, c'est nécessaire d'avoir des plumes des autres oiseaux qu'on a ici dans cet hôpital pour changer la plume, c'est-à-dire pour réparer la plume qui est cassée. Après les soins, la convalescence. Elle se passe dans une volière où les faucons s'entraînent et attendent patiemment l'heure de leur prochain envol. Faucon et lévrier Salouki forment un redoutable tandem de chasseurs. Jadis, le Salouki, capable d'accélération foudroyante, poursuivait la proie, une gazelle ou une antilope, dont le faucon avait crevé les yeux. Le lapin, à côté, c'est juste pour se dégourdir les pattes. À poil court ou à poil long, le Salouki a des origines très lointaines. Ahmad Alganem est spécialiste des Salouki. Les Salouki font partie de la région du désert arabique depuis plus de 7000 ans. Par le passé, ils faisaient partie de la vie. Et ils chassaient pour subvenir à leurs besoins. Les Salouki possèdent toujours l'instinct du chasseur. Est-ce pour tromper l'adversaire? Soudain, le lapin se jette dans la cage aux fauves. C'est une erreur. Heureusement, les témoins interviennent. Ouf, sauvé. Plus de peur que de mal. Au nord-est des Émirats arabes unis, entre les deux parties du sultanat d'Oman, on accède à l'émirat de Fujairah. Le désert de sable cède la place à une région de moyenne montagne qui culmine à 1500 mètres. Fujairah ne manque pas de verdure, car il y pleut davantage que dans les autres émirats. C'est aussi le seul émirat à avoir un accès direct à l'océan Indien. Un avantage que Fujairah arrive à valoriser. Le trafic des containers est très important pour le port de Fujairah, qui est également une des principales escales mondiales pour le ravitaillement des navires en carburant. À
À destination des cimenteries, le calcaire pulvérisé transite en quantité par le port. On l'extrait du massif de l'Adjar, tout proche. À l'ombre d'un pétrolier géant, un gestuel étrange. Les pêcheurs donnent à leurs collègues le signal de tirer le filet vers le rivage. Les grands moyens sont déployés pour tracter une charge que l'on espère aussi lourde que possible. Les eaux du golfe d'Oman, qui ouvrent sur l'océan Indien, sont très poissonneuses. Motif, en provenance des bas-fonds de l'océan, un courant ascendant y apporte des quantités considérables de plancton. Les pêcheurs n'ont pas besoin d'aller très loin pour réaliser une pêche miraculeuse. Les activités traditionnelles se maintiennent, malgré la concurrence déloyale et le nombre de bouches à nourrir. Hello. En remontant la côte vers le nord, le passé de l'émirat surgit à Bidia. Une tour de guet domine une petite mosquée sans minaret, coiffée de coupoles à degrés. C'est la plus ancienne du pays. Parfaitement restauré, le fort de Fujairah confirme la position stratégique de cet émirat sur la route commerciale empruntée jadis par les Perses, les Portugais et les Hollandais en direction de l'océan Indien. L'ancienne et la nouvelle ville cohabitent sans doute mieux à Fujairah qu'ailleurs, aux Émirats. Une cité est sortie du néant à un endroit où, en dépit de nombreux forages, on n'a trouvé aucune trace de pétrole. Mais les bénéfices pétroliers profitent à tous et la ville a pu, elle aussi, exprimer une créativité architecturale débridée. Fujairah ne cache pas sa fierté d'être le cofondateur de l'État avec Abu Dhabi. Le prestige de la famille des Sharkiyin au pouvoir y est pour beaucoup. Et c'est d'autant plus remarquable que l'émirat de Fujairah, voué à la mer et ses produits dérivés, n'a été fondé qu'en 1952. Les traditions vivent pleinement à Fujairah, et notamment celles qui s'organisent autour d'énormes taureaux. Ces colosses ont été importés d'Inde il y a des siècles pour faire tourner les moulins à eau. Les pompes les ont remplacés, mais les taureaux ont fait leur trou. Tous les vendredis en fin d'après-midi, sur une arène improvisée, les propriétaires opposent leurs champions. Plus d'une tonne de muscles et de graisse. Une fois les présentations faites, le combat de titans peut commencer. Les taureaux s'affrontent violemment de la tête. Seul l'honneur de leur propriétaire est en jeu. Il n'est question ici ni de paris, ni d'argent. Une longue corde permet de séparer les protagonistes, car les coups portés sont très rudes. Heureusement, les cornes sont sciées et les blessures graves sont rares. Quand les adversaires se laissent trop emporter par leur fougue, il faut les rappeler à l'ordre. Un peu de patience, le combat va reprendre. Ce spectacle viril n'est pas réservé aux hommes, mais prudente, les femmes se tiennent à distance. Parfois, il n'est pas facile de faire comprendre aux combattants que le match est terminé. Le public observe avec placidité ces joutes qui pourraient remonter ici à plus de 2000 ans. A priori, le spectacle est sans danger, mais quand les taureaux décident d'élargir l'arène, il vaut mieux mettre les enfants à l'abri. De l'autre côté de la péninsule qui permet au sultanat d'Oman de contrôler le détroit d'Ormuz, on retrouve la côte du Golfe avec Ras Al Khaimah, le plus grand des petits émirats.
C'est ici que fut signée la trêve entre les Britanniques et les Cheikhs de la côte. Ainsi naquit l'appellation « État de la trêve », qui deviendront les Émirats arabes unis. Ras al-Khaimah fut fondée au XVIIe siècle autour du site de Julfar, une cité qui existait au moins 10 siècles auparavant. Les Portugais y établirent un relais important sur la route des Indes. Les habitants abandonnèrent Julfar pour s'établir dans la ville moderne de Ras al-Khaimah. En longeant la côte vers le sud, les embarcations traditionnelles en bois, les dhows, conduisent à Umm al-Qayouen, le moins riche et, avec 52 000 habitants, le moins peuplé des 7 Émirats. L'émirat est fier de ses fortifications qui contribuèrent longtemps à protéger son intégrité. Les vents seront peut-être un jour une vraie source d'énergie aux Émirats, mais pour l'instant, l'énergie éolienne n'est pas près de supplanter l'énergie pétrolière. Toujours plus au sud, le plus petit des Émirats occupe une étroite langue de sable où les tours de guet semblent avoir inspiré l'architecture contemporaine. L'émirat d'Ajman n'avait pas de pétrole, mais des idées. Ainsi, a-t-on ouvert ici des studios de cinéma qui alimentent les télévisions arabophones. Le fort, construit au XIXe siècle, protégeait les chantiers navals dont la réputation avait largement dépassé la péninsule arabique. La coque du dhow classique est composée de poutres qui sont assemblées à l'aide de fibres de noix de coco. Le dhow avait impressionné Marco Polo lui-même dès le XIIIe siècle. Les dhows fréquenteront longtemps encore le port de Sharjah, qui fut longtemps le premier de la côte par le trafic. Aujourd'hui, le port est très actif et Sharjah est le troisième émirat par la superficie, la population et l'économie. Tout cela notamment grâce au dhow et au commerce des produits de valeur, comme l'or. Le métal précieux recouvre la coupole du souk al-Majara et rehausse avec finesse les signes du zodiaque qui décorent l'intérieur. Comme un phare dans la nuit, l'or entraîne les visiteurs dans le souk al-Markazi, formé d'une longue nef qui distribue les boutiques de part et d'autre. Jaune, blanc, rose ou gris, l'or s'écoule en cascade silencieuse et avec lui tous les ingrédients de l'artisanat des Émirats. Cuir ou verre, soie ou laine. Près du vieux quartier d'Al-Marija, les murs blanchis du souk Al-Arsa sont formés de blocs de corail. À l'intérieur, on découvre le savoir-faire des artisans locaux. Même au musée des arts et des traditions, il est impossible d'ignorer la ville moderne, tant ses lignes prolongent élégamment celles des bâtiments traditionnels. Sur la corniche, les immeubles flambant neufs intègrent dans les matériaux contemporains un des principes fondamentaux de l'architecture musulmane, où l'angle est dominé par la courbe. À l'intersection du passé et du futur, les communications ouvrent pour la ville de nouveaux horizons. Le temps raccourcit et l'espace rétrécit. Ainsi, la ville moderne a englobé la tour de contrôle de l'ancien aéroport. En 1932, Sharjah fut équipée du premier aéroport des futurs Émirats. L'initiative revint aux Britanniques, qui avaient établi ici leur quartier général pour la région. Sur le rond-point de la culture, le livre saint de l'islam, le Coran, occupe une place centrale. Respectueux de l'architecture musulmane, un gigantesque complexe abrite l'université de Sharjah et une université américaine. Ici, la rencontre entre les cultures est une affaire d'équilibre, comme en skateboard. Une belle leçon d'harmonie.
14 km seulement séparent Sharjahville de Dubaï, la capitale du deuxième émirat de l'État. Scindée par un bras de mer long de 11 km, la ville étire une ligne d'horizon de gratte-ciel futuriste. Un immense miroir convexe renvoie à la cité son propre éclat. 70% des ressources nationales, hors pétrole, sont générées ici. Les Dhow mouillent dans un des rares ports naturels ouverts, sur une côte peu profonde. Un port grouillant d'activité qui a une large part dans le surnom de la ville, Hong Kong du Moyen-Orient. Dubaï traverse le temps à grande vitesse, mais n'oublie pas pour autant ses origines. Entre passé et présent, que de chemin parcouru par cette localité qui a une tradition commerciale millénaire. Pour preuve, des fouilles ont révélé que des caravaniers venus de Mésopotamie avaient choisi le site de Dubaï comme étape il y a plus de 3000 ans. Dans le vieux quartier d'Al-Shindaga, on a reconstitué les ateliers où l'on travaille les métaux selon les techniques héritées du passé. La réputation de Dubaï s'est forgée autour d'un savoir-faire, mais aussi autour d'une population aux origines beaucoup plus cosmopolites que dans les autres émirats. Résultat, Dubaï a bénéficié d'une diversité qui se retrouve dans le souk aux épices. Porte ouverte sur les senteurs et les saveurs de tout le Moyen-Orient. Dubaï s'est autoproclamée ville de l'or. Avec 400 boutiques, un souk est entièrement consacré au métal précieux qui est ici, dit-on, moins cher qu'ailleurs. Pour mériter le paradis, l'or ne suffit pas. L'islam recommande la prière précédée d'ablutions rituelles. 5 fois par jour, les musulmans prient. On se déchausse avant d'entrer dans la mosquée. À l'intérieur, on prend contact avec la parole de Dieu par la lecture individuelle de versets du Coran ou par la prière collective. Il n'est pas obligatoire de se rendre à la mosquée pour prier. Du sommet du minaret, la voix du muezzin invite les fidèles à la prière, où qu'ils soient. La communauté est soudée par une grande fraternité. Dubaï a vu sa population, 1 million d'habitants, multipliée par 5 en 30 ans. Autour de la place de l'horloge, les immeubles datent de la première phase de croissance urbaine. Les références à l'architecture musulmane sont bien visibles, avec des ouvertures réduites pour voir sans être vu. L'usage généralisé de la langue anglaise témoigne du nombre considérable d'expatriés et aussi de la volonté de vivre à l'heure des échanges internationaux. Dans les malls, hommes et femmes sont immergés dans un environnement affranchi du climat, où les cultures se fondent et les frontières s'estompent. Comme partout, la mode exerce la même attraction sur les regards. Les lignes occidentales se mêlent aux influences arabes et aux trésors des mille et une nuits. Aux senteurs enivrantes, au raffinement des nuances et à l'éclat des dorures s'ajoute le mystère des visages. Le dynamisme économique de Dubaï atteint des sommets dans l'immense zone hors-taxe de l'aéroport, le royaume du shopping. L'aéroport international de Dubaï est le plus fréquenté du Moyen-Orient. Conçu comme une véritable attraction touristique,
un centre commercial géant a ici comme seul slogan « Duty Free ». Anita Mera Omayoun, directrice du marketing et de la communication. Les compagnies aériennes qui faisaient escale ici dans les années 1980 étaient surtout motivées par la zone duty free. Dubaï n'était qu'une escale. Aujourd'hui, Dubaï est une destination à part entière, une destination d'affaires, une destination touristique. Aujourd'hui, la zone duty free de l'aéroport est une vitrine pour Dubaï. La fréquentation de l'aéroport est en hausse constante et l'on agrandit sans cesse les infrastructures. Dans sa phase la plus récente, le développement de Dubaï s'est concentré vers le sud-ouest, sur une voie parallèle à la côte. D'ambitieux immeubles se dressent à quelques mètres seulement du désert. On a construit ici des oasis très contemporaines, installées à la croisée des regards du chef de l'État et de l'émir de Dubaï. Tout au long de la Sheikh Zayed Road, les architectes ont travaillé presque sans contrainte. Seule limite, les capacités de résistance du verre et de l'acier. L'alignement des gratte-ciels protège du désert le quartier résidentiel de Jumeirah. Les plages ici donnent une idée du potentiel de développement touristique de l'émirat. À l'horizon, un mirage en forme de voile gonflée par le vent de l'océan. Une superstar au firmament des hôtels de luxe, le Burj Al Arab. Un hôtel hors catégorie, mais surtout une réalisation hors norme dessinée par des architectes britanniques. Une formidable rampe de lancement de 321 mètres pour mettre sur orbite le tourisme à Dubaï et aux Émirats. La fluidité des lignes contraste avec le décor intérieur, d'un luxe inouï. Or, aquarium à l'échelle de géant, un tourbillon de démesure qui se retrouve dans la taille et l'aménagement des suites. Vaisseau spatial, vision futuriste, toujours est-il qu'au niveau de la mer, les courbes sont bien réelles, même si elles défient l'imagination. Ici, tout est possible. Alors, pourquoi pas une île artificielle en forme de palmier, bordée de plages et de marinas ? Diamètre du cercle, 5 km. Longueur totale des côtes ainsi créées, 140 km. La zone franche de Jebel Ali, au sud-ouest de la ville, a été créée pour attirer d'autres investisseurs. Comme à Internet City, les avantages fiscaux y sont appréciables et les infrastructures ultra-modernes. La diversification des ressources est vitale à Dubaï, car l'émirat ne tire plus du pétrole qu'une petite partie de ses revenus. Et les réserves s'épuisent rapidement. Direction sud-est. Aujourd'hui, un réseau autoroutier soude les Émirats entre eux et permet de sillonner confortablement le désert. À certains endroits, de curieuses empreintes apparaissent dans les dunes. Reptiles géants ? Non, des hommes sur quatre roues,
en quête de sensations nouvelles. Oui, les dunes peuvent devenir terrain de jeu pour grands enfants, amoureux de sport mécanique, champ d'entraînement pour les nouveaux vaisseaux du désert. On peut se demander si les traces de ces engins ne défigurent pas le désert. Munawar Keïda Baka est un spécialiste du 4x4 dans les dunes. Si ça abîme le désert, il faut savoir que le lendemain, le vent a tout recouvert. Et c'est tous les jours comme ça. Cinq heures du matin, banlieue de Dubaï. Nouvelle vision. La ville et les dromadaires. On se frotte les yeux. Tout cela est bien réel. Au commencement, le Tout-Puissant s'empara d'un souffle de vent dans lequel il façonna un alezan. C'est ainsi que le Coran évoque la création du cheval. Le jour se lève à peine. La température est encore fraîche. L'entraînement se déroule sur la piste de l'hippodrome, près des haras royaux, une des écuries les plus prestigieuses au monde. Deux hommes sont attachés au service de chaque animal. Un encadrement somptueux pour un cheval exceptionnel, le cheval arabe. Un cheval léger et résistant, reconnaissable à sa petite taille, à sa tête courte et ses yeux noirs brillants. Il s'échauffe les muscles dans une piscine faite sur mesure. Tous les ans, au mois de mars, sur l'hippodrome de Nad El Sheba, se déroule la Dubai World Cup, une des compétitions hippiques les plus richement dotées. Pour la circonstance, toute la haute société de Dubaï se retrouve avec ses composantes multiethniques. Et les vrais connaisseurs du monde hippique viennent de partout. De Munich. D'Angleterre. We're from Denmark. On est danoise. Je te cherchais partout. Il est vrai qu'on peut se perdre, à moins de prendre des repères bien visibles. Par exemple, les couvre-chefs. Choisir de préférence une couleur fluo. Éviter les diamètres étriqués. Une crinière rousse peut faire l'affaire. Ou un grand nœud, version paquet cadeau. Ou balise pourpre. Et pourquoi pas un brin de romantisme, peu importe l'âge. La version Far West. Ou le style soucoupe, sachant que le blanc se marie avec tout. Pour ses à-côtés, la Dubai World Cup est autant une fête populaire qu'une compétition sportive. La cuisine locale, les couleurs rayonnantes du verger en plein désert et le concours de la jet set font de l'événement un rendez-vous annuel bigarré. Certains oiseaux migrateurs ne le manqueraient pour rien au monde. Et quand arrive le grand moment, les tribunes se remplissent de spectateurs attentifs. Une demi-douzaine de courses vont se dérouler sous leurs yeux. Et la Dubai World Cup clôturera la réunion en beauté. Dans la tribune officielle, les représentants de la famille du Sheikh Maktoum bin Rashid, l'émir de Dubaï, rehaussent l'événement de leur présence. Et c'est parti! Les courses sont réservées aux chevaux âgés de 3 et 4 ans. Elles se déroulent sur 2000 mètres d'une terre sablonneuse. Dans les gradins comme sur la piste, la tension monte car le cheval vainqueur emporte une somme rondelette se chiffrant en millions de dollars. Le jockey sera royalement traité. L'émir et son frère, comme beaucoup de grandes familles aux Émirats, sont passionnés de chevaux et sont à la tête de fabuleuses écuries. La clairvoyance des hommes au pouvoir, la foi inébranlable, les richesses du sous-sol et la vitalité de traditions millénaires ont permis à la vie de fleurir en plein désert.
quelques décennies ont suffi pour changer d'époque et pour ouvrir le pays à la terre entière. Les Émirats arabes unis ont compris l'importance de leur cohésion pour permettre au faucon de réussir son envol et éviter que le rêve s'évanouisse comme un mirage happé par le sable.